Dans cette énième visite que nous avons faite du côté donc des palais des sports, nous avons aussi pu rencontrer l'association Les Panternautes, disons, une toute petite délégation venue, c'est sûr, préparer le terrain pour la compétition et donc apprécier les installations. Pour cela, nous recevons Raivo Paul-Mariusia. Elle est chargée de la communication de l'association Les Panternautes. Avec elle, donc, nous allons essayer d'avoir quelques éléments de réponse fiables. Mademoiselle Raivo, bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, visite du palais des sports par Les Panternautes. Cela veut donc dire qu'on peut compter sur l'implication de l'association des Panternautes durant la Coupe d'Afrique des Nations Handball Senior. Bien sûr, bien évidemment, nous serons présents. Nous sommes venus aujourd'hui visiter les lieux en petite délégation de l'association afin de discuter avec le président du COCAN HAND qui nous donne des directives à suivre et qu'on expose aussi notre manière de faire. Comme du côté footballistique, nous impliquer au niveau du HAND et soutenir notre équipe nationale comme le dit si bien notre nom. Vous avez donc visité ce palais des sports qui s'étend sur une superficie de 8000 mètres carrés avec un peu plus de 5400 places. Comment vous appréciez l'infrastructure? Le palais des sports, pour nous les Panternautes, c'est nouveau. Mm-hmm. On a bien apprécié, on a aimé et vu l'infrastructure qui se présente à nous, ce sera une belle cérémonie. D'abord l'ouverture et ensuite pour le reste de la compétition. Dernière question avant de nous séparer. Généralement, quand on dit Panternautes, cela renvoie au football. Là, vous semblez véritablement décidé à vous impliquer pour ce rendez-vous, décidé à être le huitième homme avec lequel il faudra compter pour la partie gabonaise. L'association Panternautes a-t-elle tournée côté omnisport? Statutairement déjà, nous sommes omnisport. Il faut bien qu'on s'implique dans le domaine national. On aime le foot, on aime le hand et on aime le Gabon, c'est tout. On sera là pour les supporter, en bref les Panthères quoi. Merci beaucoup donc à l'association Les Panternautes. On en profite pour faire un coucou à Brice Inengue qui est le président de cette association et qui est toujours disponible. Le 8e homme sera donc bien présent du 17 au 27 janvier prochain pour reconduire les Panthères assez loin dans ce rendez-vous qui va, vous le savez, se disputer du côté du Palais des Sports dans le 3e arrondissement de Libreville.